Seigneur, toi qui as éclairé le vieux homme par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le créateur du monde visible. Saint Pierre, c'est le deuxième dimanche de l'Avent avec Saint Marc. Début de l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Mais avant de parler de l'Évangile, je veux dire deux mots de la première lecture, qui est un magnifique passage du prophète Isaïe, du chapitre 40 du prophète Isaïe, parce que je souhaite donner quelques précisions à propos de deux traductions. La première se situe au verset 2. Verset 2 de chapitre 40 d'Isaïe, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que votre service est accompli, que son crime est expié et qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. » Alors ce double, on peut interpréter par double punition ou par double consolation. Moi je vous propose évidemment la double consolation. À la lumière de ce que nous dit par ailleurs la parole de Dieu, par exemple le psaume 103 au verset 10, psaume 103 verset 10, où il est dit « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos offenses ». Alors il ne va pas nous rendre le double punition pour une offense. Ou encore ce magnifique texte de saint Paul au chapitre 5 de l'épître aux Romains au verset 20, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. C'est tout le sens du mystère de l'incarnation dont nous faisons mémoire d'une manière toute particulière pendant ce temps de l'Avent. La grâce de Dieu se multiplie. Il vous a rendu double grâce en réponse de votre péché, le double. Puis alors deuxièmement, ça c'est quelque chose qui me consterne, c'est le verset 9 de ce chapitre 40 du prophète Isaïe où il est écrit « Monte sur une haute », il est traduit plutôt « Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion ». Eh bien voilà, le féminin ignoré. « Toi qui portes », ça peut être masculin ou féminin. Or ici, c'est une des très rares fois de la Bible où le mot « messager » est au féminin. Il n'y a pas écrit « toi qui portes la bonne nouvelle à Sion », il y a écrit « joyeuse messagère de Sion ». Élève la voix avec force, joyeuse messagère de Jérusalem, élève la voix, ne crains pas et parle aux villes de Juda. Évidemment, cette joyeuse messagère de Sion n'est autre que la Vierge Marie qui nous accompagne pendant ce temps de l'Avent et au sujet duquel il est écrit dans Saint Luc chapitre 1 verset 39, quelque chose qui fait complètement l'écho à ce que nous venons de lire chez le prophète Isaïe, Luc 1, 39, « En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda, les montagnes de Juda, la joyeuse messagère, c'est bien entendu la Vierge Marie. » Alors je passe au texte de l'Évangile maintenant, de saint Marc, premier chapitre, où au verset 2, il est écrit que, il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Or le mot « messager » dans le Nouveau Testament, eh ben, c'est toujours traduit par « ange ». On va dire 99,9% des fois c'est traduit par « ange ». Une fois c'est traduit par « les envoyés de Jean-Baptiste ». Mais c'est tout. Le reste du temps, c'est « ange ». Un ange est un envoyé de Dieu pour nous servir. Et pourquoi ce terme d'ange est-il appliqué à saint Jean-Baptiste, en plus de la citation des prophètes Malachie et Isaïe qu'on entend ici? Ben, sans doute est-il appelé « ange » parce qu'il a mené une vie d'ange. Et on peut dire que Jean-Baptiste a vécu une chasteté parfaite, qu'il est l'ancêtre des moines. Hein, et... il vit déjà ce qui est annoncé dans saint Marc chapitre 2 verset 25. Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, on est comme des anges dans les cieux. Ça ne veut pas dire que l'amour conjugal disparaîtra, c'est autre chose. Mais ça veut dire que Jean-Baptiste ressemblait déjà à un ange. Il est appelé messager, mais messager et ange, c'est la même chose. D'ailleurs, si on va voir justement dans le prophète
Malachie. À propos du messager, voilà ce qui est dit, Malachie 3:1. Voici que je vais envoyer mon messager. C'est traduit par messager pour qu'il prépare le chemin devant moi et soudain il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez et l'ange, alors c'est le même mot, le messager de l'Alliance ou l'ange de l'Alliance que vous désirez, le voici, il vient. Jean-Baptiste, ange du Seigneur, pour nous annoncer la venue du Sauveur, du Messie, du Rédempteur. Alors, le texte de saint Marc poursuit, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Il est évidemment question de la vie spirituelle, des tordus qui doivent devenir droits ou des tortueux qui doivent devenir droits. Je vous lis un très beau texte d'Origène à ce propos. « Chacun de nous était tortueux, si du moins il l'était sans le rester encore aujourd'hui. Et la venue du Christ qui s'accomplit jusqu'en notre âme a redressé tout ce qui était tortueux. À quoi peut te servir en effet que le Christ soit jadis venu dans la chair s'il n'est pas venu jusqu'en ton âme ?» Un très beau texte à méditer en ce deuxième dimanche de l'Avent. À quoi ça sert qu'on prépare la venue du Seigneur dans la chair si on ne prépare pas sa venue jusque dans notre âme, que notre âme tortueuse devienne droite. Au verset 4, alors voilà le messager qui s'appelle Jean. Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Jean, ça veut dire Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde, Dieu pardonne. Ça, c'est le nom de Jean-Baptiste dont la mission est précisée dans le magnifique cantique que son papa va chanter dans le fameux Benedictus. Luc chapitre 1, versets 77 et 78. Voilà à quoi sert Jean-Baptiste, si on peut dire, ce petit enfant annoncé par son papa. « Donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés grâce au sentiment de miséricorde de notre Dieu. » Ça, c'est la mission de Jean-Baptiste. C'est la raison pour laquelle il s'appelle Jean. Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde, Dieu pardonne. Alors ensuite, comment était-il habillé et qu'est-ce qu'il mangeait, ce Jean qui vivait presque comme un ange, qui était semblable à un ange? Alors le verset 6 nous dit d'abord qu'il était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Ça, c'est une manière de dire « je suis prophète à la manière du prophète Élie ». Deux rois, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 1, au verset 8, à quoi on reconnaît que c'est le prophète Élie. Alors, un homme dit « Quel genre d'homme vous a abordé? Vous avez rencontré quelqu'un ?» Il vous a dit ça, mais comment il se présentait cet homme? Et ils lui répondirent « C'était un homme avec une toison de poils et un pagne de cuir autour des reins. » Et il dit « C'est Élie le Tishbite. Hein, » Élie, habillé comme ça. Et c'était l'uniforme des prophètes, on peut vraiment le dire, parce que dans Zacharie, dans le prophète Zacharie, à propos de la fausse prophétie, des faux prophètes, Zacharie 13, 4, il arrivera en ces jours-là que les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, ils ne revêtiront plus le manteau de poils avec le dessein de mentir. Revêtir le manteau de poils, ça veut dire être prophète. Ensuite, saint Jean-Baptiste se nourrissait, nous dit saint Marc, de sauterelles et de miel sauvage. Les sauterelles, c'est toujours une calamité. D'ailleurs, en grec, le mot sauterelle, ça veut dire qui pique, qui fait mal, qui pointe, c'est quelque chose d'agressif. C'était la dixième plaie d'Égypte. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 10, au verset 4, voilà ce qui est dit. C'est Moïse qui parle à Pharaon. « Si tu refuses de laisser partir mon peuple, dès demain je ferai venir des sauterelles sur ton territoire. » Et elles dévasteront tout. Les sauterelles, c'est l'annonce du châtiment, pas du châtiment, de la conséquence de la désobéissance à la parole de Dieu. Le prophète doit annoncer ce qu'il en coûte, les catastrophes que peut causer une désobéissance à la parole du Seigneur.
mais il a aussi dans la bouche du miel, hein, du miel pur, hein, du miel sans mélange. Le miel, c'est la douceur de la parole de Dieu. C'est exactement le contraire des sauterelles. Il est dit au psaume 119, au verset 103, « Qu'elle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. » Et puis tout le monde connaît ce passage du prophète Ézéchiel, chapitre 3, verset 3. Fils d'homme, nourris-toi et rassasie-toi de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Les sauterelles et le miel. Un vrai prophète. Les conséquences du péché et la douceur de la parole de Dieu. Il faut les deux. Et qu'est-ce qu'il disait? Il proclamait, nous dit le texte, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. » Ce qui n'est pas sans étonner, parce qu'il aurait dû dire « Je suis tout juste digne de me mettre à genoux devant lui pour délier la courroie de ses sandales. » Non, il dit « Je ne peux pas. Je suis incapable de délier la courroie de ses sandales. » Les sandales représentent le pouvoir du lévir, du racheteur, du rédempteur, de l'époux, de celui qui épouse une femme pour lui rendre sa dignité de femme, lui rendre sa fécondité, lui rendre aussi son patrimoine, c'est tout ça à la fois. C'est exactement ce que le Seigneur est venu faire pour nous, c'est ça le mystère de l'incarnation. Jésus porte des sandales et personne ne va les lui enlever parce que ce sont les sandales du Rédempteur. Ce rite des sandales, vous le retrouvez dans le livre de Ruth au chapitre 4, au verset 7. C'était autrefois la coutume en Israël, en cas de rachat, de rédemption ou d'héritage, pour valider toute affaire, l'un ôtait sa sandale et la donnait à l'autre. Jean-Baptiste dira la même chose dans Saint Jean, mais d'une toute autre manière, quand il dira, Jean 3, 29, « Qui a l'épouse et l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là, et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Je ne suis pas l'époux. Hors de question que je puisse enlever les sandales du Seigneur. » Commentaire de Saint Grégoire le Grand. C'était un usage chez les anciens que lorsqu'un homme refusait de recevoir pour épouse celle qui lui revenait de droit, son plus proche parent l'épousait alors par droit de parenté et lui déliait la sandale. Jean-Baptiste se déclare donc à juste titre indigne de dénouer les cordons de la sandale du Sauveur, comme s'il disait ouvertement « Je ne puis délier la sandale du Christ parce que je me reconnais indigne de prendre le titre d'époux. » Voilà pour Jean-Baptiste qui ne peut pas défaire la courroie des sandales du Seigneur. Et le dernier verset, verset 8, « Moi je vous ai baptisé avec de l'eau et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Alors Saint Jérôme dit ceci, « Quel rapport y a-t-il donc entre l'eau et le Saint-Esprit qui était porté sur les eaux ?» au début de la Genèse. L'eau, c'est le signe mystérieux de l'homme, l'Esprit, c'est le signe mystérieux de Dieu. Le baptême de Jean-Baptiste est un baptême d'homme, le baptême du Seigneur est un baptême divin. Il s'agit d'être complètement plongé, immergé dans la divinité du Seigneur Jésus. Sœur Claire, merci. Tu as illuminé la vie.